messieurs, bienvenue. Merci de la confiance renouvelée à Congo Buzz Télévision et principalement à cette émission ActuBuzz. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces moments axés autour de l'analyse, du commentaire et de l'interprétation des faits d'actualité qui restent dominés par les différentes bavures policières. Vous avez vu à travers la toile les images de ces jeunes garçons nommé Olivier Mpunga, décédé dans les locaux de la police nationale congolaise dans des circonstances un peu floues. On parle des tortures, la police de son côté parle d'une pendaison. On va essayer de revenir sur cette question, mais aussi il y a les cas Ato Mutuwana, dont l'arrestation humiliante a soulevé les tollés au niveau de l'opinion. On va essayer de revenir autour de toutes ces bavures policières, mais aussi voir comment régler cette question qui commence à déranger plus d'une personne. On va aussi faire les points sur la manifestation à Goma. La population a protesté ce matin contre l'arrivée de la police rwandaise sur les territoires congolais. On parle des arrestations, on parle des blessés, mais aussi un cas de mort est déjà signalé. On va essayer de suivre de près cette situation. Voilà donc, mesdames et messieurs, les deux principaux sujets de cette émission. Et on ne va pas aussi oublier Moïse Katumbi qui implante de manière officielle son parti à Kisangani. Nous sommes donc là dans les chefs-lieux de la province de la Tshopo. Sur ce plateau, je reçois Maître Joël Kitenge, avec qui nous allons essayer de décortiquer ces différents faits d'actualité. Bienvenue, Maître. Merci Hervé de l'invitation, salutations à tous nos compatriotes, mais également nous, d'emblée, nous présentons nos condoléances à toutes les victimes de la barbarie, du banditisme au sein des inciviques qui se réclament être des éléments de la police congolaise. Toutes les familles endeuillées par ce genre de barbarie, nous leur présentons nos sincères condoléances. Comment allez-vous, Maître? Parfaitement bien, au rythme de la Noël, de la bonne année, et en espérant le mieux pour le Congo et pour nos compatriotes. Comment se porte l'Union sacrée? Nous apprenons beaucoup de choses, et notamment Vital Kamerhe qui fait parler de lui, selon certaines indiscrétions. Les pacificateurs, comme on aime bien l'appeler, est pressenti pour succéder à Samalou à la primature. En tout cas, j'attends ça dans le média, puisque je ne suis pas quelqu'un d'hier. Certainement, je n'ai pas un âge très, très avancé, mais je suis cultivé pour la situation politique et historique de notre pays. Et je sais parfaitement analyser certaines choses, certains signes, qui sont qualifiés comme les signes du temps de la fin, par exemple, d'un régime, de la continuation et d'autres. Alors, si, par exemple, vous me parlez de M. Vital Kamerhe qui pressentit non. Je dis que M. Vital Kamerhe, avec la facilité de tous les 57 millions que la justice, l'État congolais n'a pas pu récupérer, certainement qu'il a gardé dans ses caisses avec sa famille, il pompe la presse, il pompe les journaux, le média, pour le propulser, pour parler de lui, allant dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qu'il faut reconnaître, puisque je respecte mieux le travail que vous faites, très, très bien professionnel, mais néanmoins, respectez et sachez-le qu'il y a la presse achetée, la presse acquis à la cause de l'individu, pas de l'État, et le Congo est en difficulté d'avoir une presse acquis pour la cause congolaise, mais nous avons la presse acquis pour des causes des individus, et notamment Vital Kamerhe comme il le fait, comme le président, les Zambiens, le président de Mazembe. Les Zambiens? Bien sûr, c'est moi qui l'ai dit. Ah bon? C'est de cette façon-là qu'il nous ramasse certains... Lavadieux qui de la presse et tout ça et qui font un bon boulot pour lui. Mais s'il faut ne pas rester dans les toilettages comme nous le faisons souvent d'habitude. Monsieur Vital Kamerhe est sorti pour des raisons de maladie. Il a bénéficié d'une liberté provisoire et non pas un acquittement. Il est soigné présentement où? Parce que oui, vous évoquez un cas de maladie. Moi, je parle en tant qu'avocat en prenant compte de l'ordonnance de sa mise en liberté provisoire, comment le juge a motivé. Je suis dans l'acte qu'il a motivé, certainement qu'il y rapport de médecin légiste qui le soigne. Et à la demande de ses avocats, certainement la justice a cédé pour le permettre de se faire soigner. C'est confidentiel. S'il se soigne à la maison, s'il se soigne traditionnellement, si il prie, ça dépend. La prière aussi soigne. Ça dépend quel choix et quelle méthode de soins dont il en a décidé avec sa famille. Mais pour ma part, connaissant que dans la liberté provisoire, l'ordonnance l'indique très bien qu'il ne peut pas se déplacer, à moins que la situation médicale dont il a bénéficié de la liberté provisoire arrive à s'aggraver. À cet effet, en accord à la demande de la justice, si la justice peut lui accorder une évacuation à l'étranger, ça c'est une autre demande spéciale en rapport avec l'ordonnance, les manifestations publiques, la prise de parole, et ça c'est cela l'élément. Quand tu l'as formulé son pourvoi à cassation, le pourvoi à cassation en principe, dès lors que le juge de cassation n'ont pas reformulé l'arrêt de la cour d'appel le condamnant à 13 ans, à ce jour, ce jugement ou cet arrêt souffre encore par le fait qu'il y a un pouvoir cassation en cours d'analyser le travail que le juge de la cour d'appel ont pu faire, mais ceci ne change pas que c'est un arrêt le condamnant. Ses effets suspensifs par le fait du pouvoir cassation ne fait pas de lui innocent, ne fait pas de lui acquitté et ne fait pas de son casier judiciaire actuellement vierge. Ça c'est un. L'aspect sociologique et politique. Et M. Vital Kamerhe, du point de vue de notre population, il a une image jusqu'à ce jour d'un détourneur. C'est sec, puisqu'il y a ce qu'on appelle la sentence populaire, que le Congolais ne sont pas juges, ne sont pas magistrats, mais leur lecture, qu'on appelle le parler de la rue, leur lecture, ils le prennent pour qui? Pour un bon, pour un modèle, pour une solution, mais la lecture populaire fait de lui un détourneur. Maintenant, il ne bénéficie pas de la crédibilité publique. Faire un tel choix d'une personne en mal de crédibilité politique, publique, j'allais dire, et en difficulté de convaincre l'opinion pour les œuvres dont il en a fait état, puisque le procès est en public, publicité, télévisée, tous les Congolais ont appris le méandre de se tournir, de se bavir de lui, de son évêque et consort. Et à ce niveau, les premiers ministres, chefs du gouvernement, non seulement qu'ils bénéficient de la légitimité dès lors que le Parlement va l'investir, c'est vrai, le député nous représente, mais le député ne remplace pas l'adhésion populaire ou la lecture de la population. Très bien. Si le président fait un tel choix, il sape son image, il ruine sa popularité, et je vois mal le mariage entre le gouvernement et l'adhésion populaire si et seulement si M. Vital Kamerhe arrivait à devenir Premier ministre. Donc, pour ma part, j'estime que c'est une figure qu'il ne faut même pas imaginer lui donner un poste pendant ce mandat. Il reste là où il est et c'est très important pour l'image, pour le combat de l'IDP. C'est ma lecture. Vous estimez que Vital Kamerhe n'a plus de la crédibilité publique, Kamerhe ne mérite plus de servir les pays au niveau des hautes fonctions, mais ce n'est pas ce que pense le président de la République. Vous allez vous rappeler encore de son interview accordée à mon aîné Christian Loussakouine de Top Congo. Le président a dit clairement que Vital Kamerhe c'était un homme sérieux, c'était un homme correct, et dans les jours qui viennent, il va servir la nation. Vous savez, la responsabilité du président de la République en tant que chef de l'État, c'est vrai, il n'est plus au contact direct avec notre peuple, avec la population, mais il a la chance d'avoir des communicateurs comme nous, comme Christian Bosse, comme des gens qui partagent sa vision. Et nous sommes face à la population tout le jour. Et ce que je suis en train de faire à la télévision, sachant que lui va suivre, et les personnels qui sont autour de son cabinet suivront également, il n'a plus les contacts directs avec la base. Je vis au Parlement debout, je vis avec la base et je suis en train de lui transmettre l'adhésion populaire. Si lui, par contre, estime l'intérêt, les qualités, les rôles que Kamerhe pouvait jouer dans le futur, ce n'est pas ce que l'opinion pense et il doit faire très attention de ne pas être déphasé avec l'opinion populaire, avec le peuple d'abord. Non, il ne tient pas compte. Si le président, vous dites au niveau du Parlement debout. Même s'il ne tient pas compte, nous, le Parlement debout, nous le soutenons, nous continuons à le soutenir. Au niveau de son cabinet, ça ne marche pas. Je vais terminer ces propos. Mais les conséquences politiques, nous allons les récolter ensemble à tant qu'il dépasse. En tant que quelqu'un qui communique pour la vision du président de la République, j'estime le président de la République qu'il ne se trompe pas. Vital Kamerhe n'aspire confiance à aucun Congolais, sauf ceux qui ont mangé avec lui de l'argent détourné. Mais pour nous, nous estimons qu'à travers le pays, il peut se trouver encore des personnes crédibles s'il estime que le travail de Samalou n'est pas à la hauteur des attentes, à la hauteur de la tâche. Il peut se trouver énormément de Congolais qui peuvent pas à 100% l'inamnité, mais qui peuvent trouver cette adhésion populaire capable à piloter son gouvernement, surtout que nous tendons vers les élections. L'opération séduction est très importante pour lui présenter des figures qui aspirent et qui font confiance. Mais pour Vital Kamerhe, j'estime que c'est une mauvaise carte. Très bien, on va parler actualité. Maître Joël Kitenge, après Floribert Chebeya qui a été décédé dans les locaux de la police en 2010, d'ailleurs son procès est encore pendant, cette fois-ci c'est Olivier Mpunga qui vient à la deuxième position. Et bizarrement c'est sous l'époque de Félix Issequedi qui a été élu avec comme slogan ou avec comme vision politique l'état des droits, la justice pour tous, la justice équitable. Aujourd'hui, s'il faut analyser les comportements de notre police, que pouvez-vous dire d'entrée de jeu? Merci beaucoup. Moi, je crois que le comportement de la police est tel que nous décrions. Il faut d'abord reconnaître de manière générale que la police à travers le monde. Il se trouve que la police américaine, française, allemande... il y a toujours des cas de bavure. Il y a des cas de bavure, il y a quelques cas d'erreur. Si on commence à parler de George Floyd, de ceci ou de cela, de comment on a étranglé, il y en a beaucoup. Et une police sans reproche, ça n'a jamais existé à travers le monde. Donc, je voudrais que nos compatriotes mettent un peu de l'eau dans leur vin pour regarder notre police en reprochant ce qui est reprochable. Très bien. Ça, c'est dans le cas de Baville, vous encadrez une manifestation, vous êtes en train de sommer avec des tirs de sommation, une balle sortée ou tout ça. Mais interpeller quelqu'un, le ramener dans vos bureaux, encore que la police... n'est que le démembrement du travail du parquet. C'est que le Congolais doivent savoir. Puisque quand tu es un OPJ de la police, même le général Kassongo, c'est un OPJ. Le général Amoul, c'est un OPJ. Lorsqu'il instruit son chef hiérarchique du point de vue de la police judiciaire sur le parquet compétent du ressort où le fait a été instruit. Et à cet effet, ils ne font que ce que nous appelons la préjudiciaire, donc les enquêtes préliminaires. Et quelqu'un qui est amené aux enquêtes préliminaires, la police ne juge pas, la police ne dit pas qui est coupable et qui est innocent, il enquête, il réunit les éléments pour transférer devant le parquet. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la torture, le droit à la défense, le respect à la dignité, le respect du droit humain ou droit de l'homme, comme on le dit à la traditionnelle, ne doivent pas être un objet d'application? Et qu'est-ce que nous, par exemple, du côté du régime, nous l'avons dit devant vous et partout ailleurs, par exemple, aux services spéciaux. À l'époque, on appelait Kinmazière, comme tous les Congolais savent. Il y a des gens que je me demande, par exemple, dans le département des colonels Mpepe, là où ces événements ont été faits. Par quel mécanisme ce dernier ne peut rester que chef de département? Le numéro 1, le général des services spéciaux. Il y a des OPJ là-bas dans les services spéciaux qui se prennent, à même comme les procureurs. Il y a des tortures aux services spéciaux, il y a des tortures au P-Crime chez le colonel Lazou. Toute la ville, toutes les autorités savent que de pratiques qui se font au P-Crime, aux services spéciaux, sont pas recommandables dans un état de droit. C'est une coulouna, ce sont des bandits légalisés et couverts dans les tenues de la police et qui continuent à jouir de l'argent du contribuable. La méthode, c'est quoi? Par exemple, sur la ville de Kinshasa, on n'a jamais changé. Kassongo a été sous Kabila, Kassongo est sous Félix Tshisekedi, le Moupepe, Lazou et tous les autres tous ont été. Mais moi, je me demande l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? Il n'y a-t-il pas d'autres policiers? Il n'y a-t-il pas d'autres Congolais qui on peut leur confier cette tâche où il n'y a pas de parade, des formations de remise à niveau pour rappeler à la morale, à la bonne pratique, au bien sens du mandant qui revient à la police territoriale, aux services spéciaux et à la police judiciaire qui est, qu'on appelle communément OPJ, qui travaille au sein de la police. Nous condamnons avec la ferme énergie la vie humaine dans notre constitution. C'est sacré. Et ces citoyens pères de famille ne peuvent pas mourir et de manière invisible, anodin, je ne préfère pas utiliser les mots qui venaient, c'est pourquoi vous me voyez balbutier. Comment on peut tuer quelqu'un? Dégradant comme traitement. On peut tuer quelqu'un et on se permet un communiqué disant qu'il s'était pendu. Et nous connaissons les formules et les voies et moyens de la pendaison. On en parlait aussi avec Armand. A-t-il eu l'accord de où? Pourtant, on l'a vu déshabillé d'ailleurs. Il n'avait même pas des habits. On l'a torturé, tués jusqu'à cheminer, mais nous saluons l'arrestation des directions de ces policiers. Les quatre qui étaient... Mais même pas les quatre, mais le numéro 1 de la police, tout de suite, il devait être suspendu. Si nous l'avons dit aujourd'hui, dans votre plateau, et qu'il y a des retombées, le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, qui était mon plaignant à l'époque, est début de ses fonctions. C'est puisqu'il était trempé dans des dossiers, non seulement dans ce que nous, nous avons dénoncé contre le dossier Kalev, autres qui nous ont coûté la prison, mais également la libération de Willy Bakonga. Nous disons bravo au ministre de la Justice, puisqu'il frappe 10 points de vie provisoires. Qu'est-ce qu'on attend pour suspendre le général des services spéciaux, le colonel Mpépé et autres? Lorsqu'il, le colonel Mpépé était s'éventuait sous l'arrestation de Mende à l'époque, sous Kabila, qu'est-ce qui lui a valu? Il n'était pas à Dolo, dans le Mésir. Mais après l'arrestation de Dolo, il a repris son poste. Et dans ces hommes-là de services spéciaux, il y a la police militante qui vous discutez et qui se réclame être de Kabila. Il se réclame être de ceci ou de cela. D'où le ministre de l'Intérieur, tout en lui disant qu'il a notre soutien, mais nous ne sommes pas satisfaits de son travail, de son manque d'agilité et de son manque d'efficacité, surtout sur le bavir policier. Il n'y a pas que celui-là. Il y a un autre de vos confrères, un caméraman d'antenne A qui a été lâchement abattu aussi. Lâchement abattu, alors qu'il n'est pas Kuluna. La police est venue dans la bonne idée. À Bumbu, c'était le banditisme que nous appelons Kuluna. L'affrontement entre Kuluna. Exactement. Et la police vient pour remettre l'ordre. Et nous nous demandons, en remettant l'ordre, il y a des tueurs de sommation, il y a des balles à caoutchouc, il y a des événements qui sont importants. Par exemple, le tueur... des balles en caoutchouc, des sommations. Comment avoir pointé les canaux sur la taille de l'individu? Jusqu'à non pas seulement blesser, mais tuer quelqu'un. Sauvagement. Ça, ce n'est pas de la légitime défense. Vous allez évoluer. Il n'y a pas longtemps ici, Kassongo nous avait dit que les policiers ne se promenaient plus avec des armes létales. Mais comment expliquez-vous qu'à ce jour, en dépit du communiqué ou de l'annonce faite par le général Kassongo, il y a quand même des policiers qui se permettent aujourd'hui de se promener avec des armes létales et d'ouvrir comme une simple blague, comme ça, les feux. Comment expliquez-vous cela? C'est pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui soutient la communication du mensonge. La théorie de Théo Maramputu, qui est la théorie de Mende et des autres, que nous avons toujours conseillé Patrick Mouyaya de ne pas être bénéficiaire de ce genre de vaccin, des théories Maramputu et Mende, c'est un vaccin peu rimé, que le Congolais ne peut plus consommer, accepte aujourd'hui. Donc, la communication basée au mensonge et le peuple connaissent la vérité. Alors que chaque fois qu'il y a des balles qui nous font endeuiller, et vous arrivez, vous permettez de telles déclarations, moi, j'aurais voulu que le général, par exemple, explique le besoin devant les autorités compétentes pour doter la police des équipements conventionnels, de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes, même des matraques électriques, seulement qu'on pouvait doter la police, et c'est à ce niveau-là. Lorsque vous leur donnez, parce qu'un policier, je connais la procédure de la dotation d'une arme et munitions, et à ce niveau, le policier, il peut devenir policier, mais il ne se dote pas lui-même, c'est l'État qui l'octroie. Et tous ces procès-là, et l'État est appelé en garantie. Pourquoi? Puisque c'est l'État qui l'emploie. C'est l'État qui a dédommagé cette famille. Et sous Félix Tshisekedi, endeuillé de population comme ça, pour des raisons inutiles, c'est condamnable. C'est condamnable, mais la différence de Bumbu, elle est très différente de celle de Mpunga. Puisque Mpunga, lui, a été tué aux locaux. Les autres ne sont pas allés à Bumbu pour aller tuer. Ils sont installés, installer la paix pour régler la bagarre entre les gangs. Et puis une balle a pu commettre ce méfait. Donc c'est déjà différent dans le cas, mais celui du bureau est condamnable et nous n'apprécions pas. Il en est de même de manifestations qu'il y a à Goma. Nous restons vigilants parce qu'avec les réseaux sociaux, on ne sait pas, on peut copier, télécharger une image et l'image n'est pas de l'événement du jour et tout ça. Prenons l'hypothèse que cette image est vraie, tout en restant dans les réserves que la photo qui circule et l'image n'est pas vraie. Comment des gens qui manifestent, qui disent non à un comportement, ils viennent sans armes. La police, l'armée, comme on est dans un état de siège, a l'intérêt d'encadrer la population et de les organiser de manière à ne pas casser, piller et autres. Mais on ne peut pas porter atteinte à une vie humaine puisque quelqu'un a manifesté contre. Qu'il soit décidé, qu'il soit du PPRD, qu'il soit de n'importe quel mouvement citoyen, personne ne peut mourir pour la manifestation, pour un point de vue Et ça, pour nous, à l'IDPS, nous n'encourageons pas. Nous-mêmes, nous sommes morts, blessés, disparus, permanents se brûlés pour un combat. Et c'était dans ce moment-là. Et il n'est pas encourageable qu'un Congolais tombe pour une opinion, pour une protestation. Ça, c'est inacceptable. Très bien. Alors, maître, il faut ici rappeler que depuis que l'UDPS est au pouvoir, on a quand même aussi enregistré pas mal de cas des tueries ou des bavures ou de la barbarie au niveau de la police. Je vais ici vous rappeler les cas du médecin de l'hôpital Vidjana ici à Lingwala. Dieu merci, on a organisé un procès et Dolly Makambo a été condamné. Vous allez vous rappeler de l'étudiant de l'Unikin abattu aussi alors qu'il était en train de réaliser son travail pratique. Je vous rappelle ici, il y a un autre officier de la police qui a été tué aussi par son propre garde du corps au niveau des pompages et notre officier de la police tué au niveau des bandas, les caméramans d'antenne, vous venez de les rappeler ici. Ato Mutuwana arrêté de manière la plus sauvage et la plus dégradante. Alors, la question qu'on se pose, comment se passent les recrutements au niveau de notre police? Il est certes vrai, je lisais d'ailleurs une blague dernièrement dans les réseaux sociaux où il était écrit les seules institutions où les communiqués passent à la RTNC lorsqu'on recrute, c'est la police et l'armée. Quand c'est au CNCS, quand c'est à l'OCC, il n'y a pas de communiqués. Alors, comment se passent aujourd'hui les recrutements au niveau de notre police? Exactement. Donc, ce qui est vrai, nous condamnons toutes les formes de barbarie tout en revenant dans ce que j'ai dit dans mon introduction, que toutes les polices à travers du monde, nous les encourageons pas. Il peut se faire que quelques bébés galaises commettent des actes isolés que nous condamnons et la justice fait son travail comme le cas de Belvis Kunku de l'hôpital Vidjana dont j'étais l'avocat des clients et nous nous félicitons d'avoir amené Dolly Makambo et ses consorts là où ils sont. Est-ce qu'il est toujours en prison? On aurait appris que... Il est en prison, il est condamné. Il serait déjà au Canada? Non, Dolly Makambo est en prison. Okay. Je reviens de la prison, il faut reconnaître. Alors, les recrutements. Le recrutement aussi, puisque moi j'ai constaté, je ne sais pas si dans votre quartier cela était aussi, de voir quelques camps de bandits qu'on connaît dans mon quartier, quelqu'un qui est réputé comme général de la zone. Les anciens colonnes, et puis après, je l'ai vu commencer à marcher comme des maîtres volontaires. Au début, on les appelait comme ça, maîtres volontaires. J'étais crié hier en rentrant un petit tout pétard dans la voiture. Je l'ai vu avec un groupe de policiers bien armés, alors que bandit, je le connais pour bandit. Et à ce stade... C'est la règle désormais. À ce stade, il me connaît aussi. Il dit à ses amis, tout ça, tu sais, les cas où les restes. Alors, il faut que le recrutement, l'école de la police, veille aussi sur des individus. La police n'est pas un dépotoir. La police est un travail, à travers le monde, c'est le seul service où on trouve plus d'intellectuels dans l'administration. La police est formée. Il y a des unités, la police scientifique, de médecins, de chercheurs, de laboratoires, des informaticiens, des communicologues, de tout. La police est l'ensemble, exactement, d'intellectuels. Mais les hommes de rang, même les hommes de rang, on ne peut pas nous ramasser de pourris. Non, des œuvrés. La police aujourd'hui, c'est les dépotoirs de tous les criminels, des inciviques. Vous analysez l'arrestation d'Ato Mutuwana, hormis le parquet qui a signé ses mandats, les traitements inhumains, dégradants, ignobles, qu'a été fait par ces bandits porteurs d'un document du parquet, je ne peux pas les appeler APJ. Je ne peux pas les appeler APJ, ce n'est qu'une tête de bandits. Et aucun parquet, dans un état de droit, ne peut employer des bandits pareils pour humilier des individus, même quand ces derniers est poursuivable devant les instances. Encore que le parquet n'est pas un tribunal. Le parquet enquête et la présomption de l'innocence, le droit à la défense, le respect de sa dignité de la vie humaine ne peut pas être bafoué par le fait que quelques individus sont porteurs du mandat. Nous le trouvons dans les parquets, des gens qu'on voyait hier, des gens qu'on a défendus hier, des gens qu'on les a vus dans les procès de flagrance. Oh, Nakoma Apejiawa, oh, je travaille au parquet. Et l'État emploie de tels individus. À quand ils ont été recyclés? À quand ils l'ont été faits? C'est pourquoi nous insistons que l'applicabilité, le fondement d'un état de droit, doit bénéficier du concours de tout Congolais ayant la signature, ayant le pouvoir et la compétence pour travailler de manière à sélectionner des têtes utiles à aider la police d'avancer que des cas isolés qui sapent les efforts que le régime de Félix Tshisekedi est en train de faire. Très bien, on va parler de ce qui se passe à Goma. Nous sommes donc là dans la province du Nord Kivu. C'est depuis hier, je pense, qu'il y a des manifestations, la population est opposée à l'arrivée de la police rwandaise. Mais pendant ce temps, au niveau de notre police congolaise, le général Amoul a organisé hier un point de presse où il a déclaré à haute voix qu'il n'y a aucun élément de la police rwandaise sur les territoires congolais. Est-ce que la population gomatracienne ne dispose-t-elle pas de bonnes informations ou c'est de la manipulation? Et c'est ainsi que moi je condamne notre classe politique. Des machos, des irresponsables, et des gens qui agissent à même de poupées de jouets de Noël et de la bonne année pour tenter de manipuler pour tenter de manipuler notre population avec des mensonges. Lorsque le général Amoul sera au Rwanda avec l'inspecteur de la police rwandaise, ils ont consigné un communiqué et ils ont coanimé une conférence de presse suivie à travers le monde. Et de tous ceux qui n'ont pas été à l'école, même ceux qui l'ont été, aucun inspecteur de la police ne peut engager l'État pour faire venir une troupe étrangère sur un autre sol. Ça, il l'a rappelé. Non, mais ça, il faut rappeler à ceux qui marchent, puisque parmi les marcheurs des mouvements citoyens, il y a des intellos, il y a des gens suffisamment cultivés, mais qui sont manipulables. Pourquoi? Puisque ces politiciens poupées de Noël les ont appuyés au dessin de la musique, comme les poupées le font. Ça, c'est inacceptable et c'est inappréciable. Il n'y a pas un policier rwandais à Goma. Moi, nous avons lancé un défi, demandé à tout gomatracien qui a vu ces policiers, qui sait là où ils sont logés, ne faire même une vidéo en distance d'une seconde. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette série de manifestations? Il y a déjà un cas de mort qui est signalé. Non, mais ici aussi, il faut reconnaître que le gouvernement, lors du conseil des ministres du week-end dernier, c'était pas appréciable que le gouvernement, dans le condensé de la restitution, n'ait pas abordé une telle question qui soulevait notre population. Et restait enfin que le général Amoul vient faire ça avec Patrick Mouyaya au repli fait. La population était scotchée attendant que le gouvernement, Samalou Condé et son gouvernement, explique si et seulement si c'était une farce. Mais néanmoins, tous ceux de la communication partout, nous avons été dans les différentes chaînes, rappelant notre population, vous allez vous faire tuer pour rien. La police rwandaise n'est pas au Congo et ne viendra pas. Très bien. Et c'est une fausse information manipulée par certains individus à mal de positionnement et qui tentent de s'accrocher derrière toute mobilisation. Imaginez qu'ici à Kinshasa, mon vieux Martin Fayoulou s'accroche à l'appel des mouvements citoyens puisqu'en difficulté de son deuil et tout à l'heure du bloc... Les 30 décembre. Non, je tente de dire, là, il est encore en deuil de la mort du bloc patriotique qui n'a pas encore fini son deuil et il ne cesse que de s'accrocher derrière des mobilisations qui peuvent réussir pour tenter. Donc à mon niveau, je crois que toute notre population qui nous suit à Goma, c'est vrai, vous avez droit de manifester, de protester ou de dire ce qui vous semble bon au nom de la démocratie. Alors, ne vous laissez pas être manipulé. Comment calmer aujourd'hui cette population qui est déterminée et qui est même qui pense aujourd'hui que les policiers rwandais sont bel et bien présents sur les territoires congolais? Comment calmer cette population? Il n'y a pas un autre moyen de le calmer que par la communication de franchise. Puisque cette population qui manifeste, je vais vous dire, si une police vient, on va les cacher dans les chambres où ils vont agir. Bon, Goma, ce n'est pas Kinshasa, il y a 24 communes. Même à Kinshasa, où il y a la grande ville, quand il y a telle troupe, on se va dans telle commune, dans tel quartier. Très bien. Qui est habitant de Goma qui a vu un policier rwandais sur le sol congolais? La vérité, le gouvernement de la République doit communiquer suffisamment et préciser, tout en encourageant ce qu'a fait le général Amouli. C'est encourageant, c'est très important. Et notre peuple, en suivant Congo Buzz, en suivant d'autres chaînes, ils peuvent être informés, puisque je communique au nom de l'IDPS, certainement, et j'ai certaines informations qui, on peut faire crédit. En 30 secondes, Moïse Katumbi a installé officiellement son parti au niveau de Kisangani et il a fait un appel à la population pour qu'il puisse rejoindre son camp. C'est lui qui a la force, a-t-il dit. Bon, je ne crois pas. La force, oui, dans le football, c'est normal. Mais néanmoins, dans le football aussi, Mazembe n'arrive plus à gagner rien. Dans la Ligue des champions, il n'arrive même pas à huitième de finale. Et ici, dans les championnats nationaux, d'ailleurs, vous connaissez la décision de Vita et Mazembe, ouais, ouais, dont la coupe doit être réattribuée à Vita. Je ne parle pas de les élections et les partis politiques au Congo. C'est une affaire congolo-congolais. Pour ma part, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Et c'est un sujet étranger. Et tout ce qu'il nous raconte, ça ne peut qu'être mobilisation d'un foot club. Et les Congolais ne sont pas adhésion, oui, ne peuvent pas faire adhésion à de telles blagues de foot. Ils ont besoin d'un projet sérieux de société. Et la personne qui les rassure, c'est Félix Issequedi. Maître Joël Kitenge, merci de votre passage. Merci de l'invitation également. Très bien, l'émission est terminée. Mais avant de nous séparer, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cette vidéo. Et on se retrouve tout juste après. Oui, je vous dis à demain. Je vous semblez un peu étrange, mais moi, je suis capable de lire dans les mots. Choisis un chiffre entre 1 et 10, mais ne me dis pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais je peux lire dans tes pensées. Entre 1 et 10, d'accord, j'en ai un. le matériel. Contre la pauvreté et le chômage. Alors dites-nous, au-delà de la coiffure, quels sont les autres services qu'on peut trouver dans ces salons? Merci beaucoup, Monsieur Hervé, pour l'opportunité que vous m'accordez en ce moment. Oui, effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas attendre à ce qu'on fasse tout, et on ne peut pas attendre que ça soit toujours à la charge du gouvernement ou d'une tierce personne. Nous pouvons aussi avoir des initiatives et faire quelque chose de mieux, exactement, en créant ce salon de coiffure. C'est donner de l'emploi à 1, 2, 3 personnes, exactement. C'est lutter contre la pauvreté, comme vous l'avez dit, et le chômage. Mais en principe, c'est la coiffure. Ça signifie la coiffure mixte, la coiffure homme ainsi que dame. Mais au-delà de la coiffure, nous avons la manicure, nous avons la pédicure, nous avons le maquillage, donc toutes sortes de coiffures d'âme et tout ce qui peut avec femme. Donc en gros, c'est un peu ça. De l'accessibilité au niveau de vos services, alors quelles sont les garanties que vous donnez aux Congolais lambda qui vit par exemple à Kisenso, à Selemba? Est-ce qu'il peut bénéficier de vos services? Là, je fais allusion donc au coût. Oui, bon, en fait, je sais que le salon il est situé pratiquement au centre-ville et ce n'est pas une raison pour nous d'être débordant dans les prix ou être excessif. Non, ce n'est pas une raison pour ça. Que les gens n'aient pas peur, ils peuvent venir, c'est un prix abordable, tout est accessif et nulle part on a écrit que c'est uniquement pour une telle catégorie, non. Soyez sûr que venez au salon DB Coiffure, il y a un prix très abordable. Un prix peut-être que je ne peux pas donner devant la caméra, mais dès que vous venez, je suis sûr que vous reviendrez encore. Et nous vous assurons la qualité dans le service, nous vous assurons le traitement. Notre souci à nous, c'est votre plaisir. Alors, notre objectif, c'est vous venez pour revenir encore. Donc, soyez sûr que nous avons fait un bon choix, que ce soit en termes de personnel, que ce soit en termes de qualité, et peut-être que vous avez eu vous-même l'occasion de le voir, et les premiers témoins sont vous-même qui m'interviennent en ce moment, et je crois que c'est accessible à tout le monde, ça on ne peut pas le refuser. Donc les gens peuvent venir et découvrir c'est quoi le meilleur prix et c'est le bon prix. Surtout nous sommes en période festive, donc il y a une promotion derrière qui doit courir pratiquement un mois, mais c'est accessible à tous. Pour les Congolais de la diaspora, bon, parce que depuis un moment, on a évité le terme diaspora. On dit pour les Congolais ne vivant pas au Congo, si on peut le dire dans ce terme-là. Le salon est ouvert à tout le monde et notre adresse n'est pas vraiment compliquée. Nous sommes au croisement des avenues Mont des Arts et 24. La référence, c'est l'immeuble Empire ou la cité Empire, juste en face de la cité Empire. Donc, c'est là que le salon est situé. Et assurez-vous que dans ce salon, il y a aussi un partenariat d'un fils, je dirais, de la diaspora. Excusez-moi le terme, mais d'un fils de la diaspora. Et c'est une manière aussi pour leur dire qu'il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut investir, eux étant des Congolais vivant à l'extérieur. Donc, ils peuvent venir ici et ils ne seront jamais déçus. Oui, nous avons des moyens de communication, des moyens d'atteindre. Plutôt. Nous avons nos plateformes sur Instagram, c'est toujours DB Coiffure Kinshasa. Sur Facebook, la même chose, DB Coiffure Kinshasa. Et pour ce qui est des appels, WhatsApp et autres, c'est plus 243 80 plus 243 80 888 1607. Donc 080 888 1607. Et plus 243 99 32 999 39. Sont les numéros par lesquels vous pouvez nous atteindre. Le dernier message, c'est que il y a un slogan, une expression, nous qui sommes de Kinshasa, mais qui a traversé les montagnes, c'est « Soutenons-nous vivants ». Donc, soutenir cette œuvre, c'est considérer qu'elle est la vôtre, c'est considérer que c'est votre frère qui travaille ici, c'est votre soeur qui travaille ici, et votre argent est là pour non seulement soutenir, mais pour réellement être servi à votre beauté. Ça signifie vous dépensez moins, mais pour être très beau, pour être très chic. La beauté, elle coûte cher, mais chez nous, avec le peu, on vous rend beau, on vous rend belle. Et vous pouvez le voir avec les clients qui sont déjà ici. Donc, le dernier message, ou le message en général, c'est venez découvrir nos services à DB Coiffure et vous ne serez jamais déçus. Commençons par le DG lui-même, Monsieur Christian Bossembe. Nous vous attendons. Venez, vous ne serez pas déçus. Monsieur Hervé, monsieur, le nom, monsieur Omo, je vous appelle aussi. Donc, venez nombreux, vous ne serez jamais déçus. Et même le président de la République, hein, pourquoi pas. Je me rappelle qu'en temps de campagne, c'était fait coiffer, je crois, Kisangani. Donc, ça ne dérangerait pas. Nous avons la première dame, dont nous avons tout le standing, le premier chef le citoyen du gouvernement, donc le premier ministre, les conseils spéciaux, principaux, différents conseils, donc c'est accessible à tout le monde. De 100 à 0, de 1 à 100, donc tout le monde, nous vous attendons ici. Nous vous assurons qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la qualité, et chacun se sentira à l'aise selon son standing. Waouh! Je comprends votre question, mais non. Et cette initiative ou cette entreprise n'a rien à voir avec le travail habituel que je fais ou comment non. Mais c'était dans le souci de concrétiser un rêve. Ça fait plus d'une année et demie que je planifie ceci. Et aujourd'hui, j'ai pu réaliser cela. Et nous ne sommes pas que dans le salon de coiffure, nous sommes dans la photographie, la vidéographie, dans l'imprimerie aussi. Mais c'est un grand projet qui commence d'abord au départ avec le salon de coiffure. Donc bref, je n'ai pas bénéficié d'un quelconque soutien. Mais le plus grand capital que l'homme a, c'est sa parole et sa pensée. Quand on pense et on le dit, on finit par le réaliser. Comme on dit, quand on veut, on peut. Voilà, vous venez donc de suivre là l'ouverture du salon DB Coiffure Mixte, initiative du jeune entrepreneur Joël Kitenge qui s'est engagé donc à lutter contre la pauvreté et le chômage. Allez donc vous faire soigner et vous rendre beau ou belle à un prix très abordable. L'émission est terminée, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.